Bonjour bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le 157e épisode de Rebirth, et donc le deuxième épisode du Nuclear Apocalypse Mode, qui est passé en version 7.1, donc il y a eu quelques modifications mineures. Et aujourd'hui, avec qui on va jouer? Sachant qu'on a joué avec Isaac dans la partie précédente, jouons avec un autre perso que j'adore, c'est-à-dire Judas. C'est parti! Ouais, toujours bizarre ce truc. En tout cas, dans l'épisode précédent, on a joué du coup avec Isaac et on s'est fait massacrer par deux Fallen et un ange. C'était un peu abusé. On est mort plusieurs fois d'ailleurs dans l'épisode en question. Mais bon bref, en tout cas, je commence avec Curse of the Unknown, donc je ne vois pas ma vie. Ça m'aide pas. Sachant qu'on est Judas, on devrait avoir qu'une seule vie. Ouais. Krampus dès le départ, bon, au moins, on a le Book of Belial qui nous aide. Ah, ça c'est pas cool. Je sais pas si j'ai des vies en fait. Il me semble que je commence avec... Ah, connerie. Attendez, je vais d'abord le tuer et ensuite on verra ça. Il me semble que je commence avec... Judas Shadow, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Plight the God. Ok, bon, ils ont changé les noms apparemment. Donc ouais, il me semble que je commence avec... c'est pas il me semble. Bref, essayons de prendre tout ça. Bon, apparemment, ça ne nous tue pas. du coup, prenons le Broken Heart. Et donc ouais, avec Judas Shadow, ça nous permettrait de... si on ressuscite, d'avoir encore plus de damage, ce qui est vraiment pas mal. En tout cas, ouais, on commence avec Myth, la Goathead et les deux morceaux de clé, ainsi que There's Options. Donc apparemment, oui, à chaque fois, on a There's Options et la clé, que j'avais même pas remarqué la dernière fois. Enfin bref, laissez-moi juste désactiver un truc. Voilà. Bon, j'ai toujours mon mode épileptique, hein, j'ai eu la flemme de l'enlever. Merde. Bref. Allons-y, bon, je sais plus du tout combien de vies j'ai, donc bon, au pire, YOLO, au pire, on va crever, c'est pas grave. Limite, ça m'arrangera. Ça va, on est toujours pas mort. Voyons ce qu'il y a dans le shop, ce n'est pas un shop. Monster manual. Et Dead Sea Scrolls qui nous donne Lemon Mishap, on s'en fout. Bon, on a une batterie, sinon ouais. Pour l'instant, on en a pas besoin. Ah, une petite Edrock, ça commence plutôt bien comme partie, n'empêche. Ça commence vraiment bien. Un coffre. Non, on a vraiment un bon damage et technologie 0.5 et stigmata sont de bons objets, donc bon. Ok, attention aux flammes roses, attention à ça. Alors, est-ce que j'ai envie d'utiliser des clés ou des bombes? J'ai plusieurs bombes, donc utilisons ça. Voilà, gardons notre clé. Bon, Bloody Lust, c'est pas ce que je préfère, mais Cat O' Nine Tails est un damage up, donc évidemment, on va le prendre. Voilà. Oh. Comme je dis, cette partie commence vraiment bien. Ah, on n'a pas assez de clés pour ça. Peut-être que la Secret Room est à côté, on verra. Mais sinon, ouais, on a bien vu dans l'épisode précédent que ce mode est extrêmement difficile. J'ai plus qu'une seule clé. Voyons s'il y en a une dans le coffre. Non, mais il y a des pièces. Ok, voyons où est le shop. C'est-à-dire, voyons où est la Secret Room plutôt. Elle n'est pas là, donc je n'aurai pas d'accès gratuit à la Double Key Room. Et ni au shop d'ailleurs, mais bon. À moins qu'elle soit plus haut. Non, ça m'étonnerait. Où est cette connerie de Secret Room? Je n'en ai aucune idée. La Super Secret Room devrait être là. Hein. Effectivement. Ouh, avec Steven, nice. Oh. C'est pas tous les jours qu'on tombe sur Steven, c'est sûr. Toi, je vais t'utiliser. High Priestess, nice.
Meet Strangers Without Prejudice. Je vais les rester à 5. Et je vais acheter un cœur d'argent. S'il y en a. Il y en a. Le compas est très tentant, mais faudrait que je trouve la secret room. Hein. On verra. Allons d'abord tuer notre boss Dingle. Ah tiens, ça doit être le Ruskin. On verra. Ah bah non, non, non. Ce n'est pas l'espèce de slime que j'avais vu. Hein? Attends, j'ai acheté un cœur d'argent et je suis mort. Ça n'a aucun sens, bref. En tout cas, je suis ressuscité en tant que Dark Judas. Il me semble que j'ai deux cœurs. N'empêche, c'était bizarre. Bon, je pourrais utiliser la High Priestess, mais j'ai pas envie de la gâcher sur Dingle. Surtout que, à mon avis, je suis suffisamment puissant pour le battre. Surtout maintenant que je suis Dark Judas. Oh putain. Ouais, par contre, cette attaque, elle est pas... Ah, me tue pas, me tue pas, me tue pas. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, je m'attendais pas à cette attaque, c'est clair. Alors, ouais, The Mark, ça aurait pu être bien, Porn photo, pardon. Porn photo, sérieusement. Bon, le lapsus. N'empêche, c'est, ouais, c'était très bizarre. Alors, où pourrait être cette secret room? Je la verrai bien ici. Non, pas du tout. Bon, ok, bon. Étrange. Étrange, étrange. Tant pis, on ne saura pas ce qu'il y avait dans les autres chambres. Attends, est-ce que j'ai testé ici? Non, ça m'étonnerait qu'elle soit à côté de la super secret room. Ça n'a jamais été le cas encore dans Rebirth. Bon. Passons au niveau suivant. J'aimerais bien voir... Combien de vie il me reste? Curse of the Unknown. Mais quel gros troll. Bon, en tout cas, je sais que je n'ai pas de réceptacle. Ouais. Piece of paper, laser guide, ouais. Sachant le nombre de cœurs que j'ai, à mon avis, j'en ai 3 ou moins. Je ne vais en aucun cas prendre un Devil Deal. Hein. Ce serait complètement con. Et j'ai pas de clé. Ouais, ils ont toujours pas fixé le début des soundtracks. Bon, apparemment, ils ont fixé quelques trucs par rapport au son, mais pas celui-là, apparemment. Oh, faut que j'arrête de dire apparemment. Bref. Non, bah en tout cas, on voit toujours pas notre vie. C'est toujours un peu stressant. J'aimerais bien avoir des bombes et des clés, si possible. Hein. Ça peut être utile. Car notre damage est vraiment monstrueux, hein. Sachant qu'on est Dark Judas. Et qu'on a eu quelques damageables quand même, hein. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, mais bon, faut se méfier, hein, parce que dans ce mode, même si on a beaucoup de damage, ça ne veut rien dire. On peut quand même se faire massacrer. Pourquoi j'ai les Spectral Tears déjà? Ah oui, c'est vrai, il me semble qu'on commence aussi avec les Spectral Tears dès le départ maintenant. C'est assez intéressant, je suppose que c'est pour nous permettre de faire certaines salles, et celle-là est un gros troll. Donnez-moi une bombe, bordel. Bon, ça c'était con. Vraiment, j'évite de perdre des vies comme ça. Non, j'ai augmenté aussi un petit peu le son, enfin la musique du jeu. Parce que je la trouvais légèrement faible, je sais pas trop comment c'est maintenant, on verra. Enfin, disons qu'on n'entendait pas trop les nouvelles musiques. Et sérieusement, je n'ai ni de clé, ni de bombe. Ni de clé, ni... Bref, je n'ai pas de clé, ni de bombe. Essayons d'en avoir là-dedans. Bon, en général, c'est lui qui a plus tendance à nous filer des trucs. C'est bien Fly Love, mais c'est vraiment pas ce que je veux. Sérieusement. Bon, au moins, on n'aura plus à se préoccuper des mouches, hein. Non mais sérieux. Bon. Eh ben. C'est pas terrible. Du coup, je vais quand même risquer d'aller là-dedans, même si c'est une grosse connerie. Bumswig est pas mal, attention. Oh, putain, sérieusement. Je sais vraiment pas combien de vie il me reste, hein. Il y a moyen qu'on crève, ce qui serait extrêmement stupide.
rapide, je viens d'avoir une idée. Ah. Ok, bon, ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais. C'est vraiment, ouais. Bref, il s'est rien passé. Encore un dingle, plus des fistulas. Enfin, limite, j'ai bien envie de laisser les deux trucs, là. On a vraiment un très bon damage. Profitons-en. Ok, on a tué dingle. Essayons de tuer fistula aussi. Les araignées devraient être extrêmement puissantes. Bon, à partir du moment où je pourrai voir ma vie, ce sera déjà mieux, hein. Parce que là, c'est un peu légèrement stressant. Alors, le Blue Cap me donne un health up. Ce qui est cool. Bon, j'ai déjà visité ça. Bon, c'est vraiment dommage de ne pas avoir... Attends. Attends. Pourquoi il me reste 5 cents? J'ai dû les choper après. Ouais, ça doit être ça. Allez, file-moi une bombe, une clé, les deux sont bien. Non mais, allez. Ah, il me semble que... j'ai un réceptacle maintenant. Hein? Apparemment non. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait alors. Non mais sérieux. Ah. Le problème c'est que si j'utilise ça, je risque vraiment de crever, donc bon. Tant pis. Tant pis. Passons au niveau suivant. Et essayons de rester en vie, hein. C'est le principal. Bon, allez. Voyons où on en est. Ben, j'étais persuadé que le Blue Cap me donnait un réceptacle. Oh putain, il me reste un Black Heart. J'ai bien fait de ne pas utiliser la machine. Le Joker, du coup, tout de suite, ça sert pas à grand chose de l'utiliser, hein. À moins qu'il y ait 9 lives. À voir. Bon, allez, YOLO. C'est pas 9 lives. Bon, de toute façon, on devrait pouvoir accéder à tout ça, sachant qu'on a le Book of Belial. Toujours la Rolls Card, Dark Market. Ouais, Quad Shot et surtout Cricket's Body, c'est vraiment pas mal. Donc bon, essayons de trouver plus de vie. Il y en a déjà là, mais j'ai besoin de bombes toujours. Bordel, c'est quoi ce site qui me troll? Et je déteste cette salle, comme toujours. Hein. Ah, merci les araignées. On a un super damage, ça nous aide bien. Allez, crève toi. Merde, ah, que connerie. Bon. Y a une clé, enfin. Bon, il faut aussi des bombes. Mais ça commence bien déjà. Là. Bon. Bon, là il y a les deux, mais c'est un peu risqué. Enfin, c'est un peu risqué, bref. Si vous pouvez arrêter de me faire toucher par des ennemis basiques, ce serait bien. Sérieusement. Bon, allez. Concentrons-nous un peu. Au moins, on a des clés. Oh putain. Je vais utiliser le Book of Belial pour cette salle parce qu'elle a l'air vraiment hardcore. What the fuck? C'est pas possible. C'est un bug. Cette salle est beaucoup trop dure. Ah, je vais crever. Non, ça va, on va y arriver. Bon, j'ai absolument besoin de vie là. Légèrement crucial. Homing shot. Ouais, plus tard. D'accord. Disons que j'aimerais bien utiliser ma clé pour entrer dans le shop et choper un cœur d'argent si possible. Et cette salle est pas abusée. Ah, je vais crever. Non, ça va. C'est vraiment limite. Oh putain, ça va, on a un bon damage. Faut vraiment faire attention. Ok, le shop est là. On a des bombes, ok. On peut faire des trucs intéressants maintenant. Alors, le cœur d'argent, oui. On peut acheter une clé si on trouve une pièce. Ok, bon.
On a pas mal d'options. Faisons attention à tout ça. C'est vrai qu'on a un truc ici. Nice. Un cœur d'argent. C'est toujours cool, bien sûr. Alors, la secret room ne peut pas être de ce côté-là. Ah, j'aimerais bien entrer dans cette curse room, mais c'est risqué. Bon. Je vais prendre ces pièces aussi. Et explorons un petit peu de ce côté. Le boss est là. Ah, des golden poop. Pouvoir voler serait utile, mais ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Bref, voyons ce qu'il y a là-dedans. What the fuck? Les mouches sont vertes. Bon, malheureusement, j'ai pas de bombe pour ça. Je peux toujours en acheter une. Et notre damage est vraiment monstrueux, n'empêche. Hein. C'est plutôt cool. On a trouvé une autre clé. Qui va nous permettre d'acheter Chemical Peel. Bon, je peux aussi acheter des bombes dans l'absolu. Il y a une bombe là-bas. Ouais, je pense qu'il serait mieux d'économiser nos clés. Et d'acheter des bombes à la place. Enfin, d'économiser notre clé plutôt. Et donc, ouais, j'achète cette bombe et j'achète cette bombe. Bon. C'est un peu compliqué. Mais on y arrive, on devrait recevoir une autre bombe de ce côté-là. Ouais, non, pas les clés. Alors, donc, ouais, je prends Chemical Peel et j'utilise une... Ah ! Saloperie ! Je déteste ce truc. Bon, tant pis, hein. La Tower Card ne servira à rien ici. Bon, c'est un peu con d'avoir perdu notre clé. Tout le mal qu'on s'est donné pour la garder, mais bon, bref. Ah, c'est vrai qu'on s'est fait toucher dans ce niveau, on a Bloody Lust. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est aussi puissant. C'est toujours The God. Ouais, on est extrêmement puissant. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Two of Hearts, malheureusement, ça ne nous sert pas. J'ai plusieurs options. Déjà, est-ce que je voudrais trouver la secret room? Bon, je pense qu'on va dire adieu à la secret room et on va ouvrir ce truc. Le Thriller Bill, ça peut être intéressant. Ça peut aussi nous mettre dans la merde, mais bon, bref. Et du coup, bon bah... Chad, ok. Oh putain, avec deux anges, hein, parce que, ouais, non, sinon c'est pas facile. Tiens, on a le poison. Non, c'est pas le poison, comment ça s'appelle? Bref. Les effets sont vachement intéressants. On a massacré Chad. C'est pas Death Touch, si? C'est possible, ça peut être un... Reskin de Death Touch. Vraiment stylé. On a massacré les anges, heureusement. Little Chad, je m'en fous complètement. La Champion Belt, oui, et malheureusement, on peut rien prendre ici, hein. Un Cricket's Body est vraiment tentant. Soyons fous. Qu'est-ce que c'est que ces Blue Poop? Ça doit être les... Les Red Poop, ouais, c'est ça. Est-ce que ça valait le coup? Pas vraiment, hein. On est dans la merde. Bon. Bon, c'est dommage pour Cricket's Body et Quadshot, mais bon. Allez, passons au niveau suivant. Cette partie est vraiment bien, faudrait qu'on y arrive. Broken Heart, bon, comme d'habitude, je vais quand même visiter le Devil Deal direct. Ah oui, 20 sur 20, là, c'est... Bon, normalement, je peux prendre les deux. Ça me file des cœurs d'a... Enfin, des Black Heart. Ok, ça, c'est vraiment, vraiment génial. 20 sur 20 plus ce qu'on a, c'est super. Ok, on est vraiment bien, là. On est vraiment, vraiment bien. Maintenant, il faut qu'on se fasse plus toucher.
qu'on reste en vie. Ouais, non. Deathstudge ressemble toujours à ça. Mais oui, le double shot, c'est magnifique. Et on a une clé, c'est génial, on peut rentrer ici. Number one, ça va réduire à mort ma range. Ah, sachant qu'on a une range pas terrible. Je vais devoir dire non pour l'instant. Contract from below, ça devrait me permettre d'avoir plus de clés et plein d'autres trucs, donc je vais le prendre direct. Pour number one, on va voir. Hein. On a déjà une bonne fire rate. Ah, c'est quoi cet effet? Je le trouve vachement stylé. Mmh. Ah, sachant qu'on a déjà rage, le truc. Le machin là ne nous sert à rien. Je pense. Ouais. Ah, n'oublions pas qu'on a les Spectral Tears. On verra ça après. Sachant qu'on a le Master of Lockpicking, on devrait pouvoir ouvrir les trucs sans utiliser de clé. Je crois que je dois avoir une clé quand même. Pour que ça marche. Ok, là on est vraiment pas mal. Je pourrais utiliser le Broken Magnet. Enfin, il m'aurait bien été utile dans le niveau précédent. Ça, on est assez puissant pour tout casser. Doucement, doucement. Cette salle est toujours perturbante. Ok, Big Room. Oula. Ouais, c'est un petit changement de taille par rapport à d'habitude. Hein. Restons à distance. Et ben. En l'occurrence, la Curse Room, là, je suis pas sûr. On verra après. Ben. En tout cas, on se débrouille très bien pour l'instant. Ok, une salle vide. Pourquoi pas. Et voyons qu'il y a de ce côté. Une bombe serait appréciable. Je pourrais utiliser Tower, mais c'est risqué. Oh, je déteste cette salle. Bon, je vais devoir passer quand même. Oh putain, ça, je la déteste. Non. Le shop est là. J'ai toujours pas de clé. Tu vas t'ouvrir, toi. Alors, je suppose que je peux pas utiliser mon truc, ouais. Il me faut une clé au moins. Chariot de card. En double, je suppose, ouais. Ça, c'était quoi, Tower? Ah. Ok, ça va être un peu compliqué. Bon, il faut que j'arrive à faire cette salle sans... What the fuck? Ok, j'ai pu avoir les deux. Bon, j'ai réussi. Bon, alléluia. Et maintenant, avec ça, je devrais pouvoir ouvrir sans utiliser ma clé. Eh ben non, bon. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Ouais, non, ça marche pas ce que je voulais faire. Est-ce que par hasard... Ouais. Maintenant, file-moi des thunes. Ah, c'est pas ce que je veux, mais... Il faut une autre bombe pour rentrer là-dedans. J'ai pas assez. Je pourrais utiliser une des chariot cards. Mais bon, il est maintenant la garder quand même. 23h30. La petite batterie pourrait être cool, mais si je pouvais économiser mes clés, ce serait bien. Allez. Oh putain, sérieux. Ce truc. Bon. On en est où? On a des thunes ici. Je sais pas pourquoi je les ai. Pas eu avant. Ah, sans doute parce que je me suis fait toucher. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Ah, il y en a pas mal là. Ok. Je devrais pouvoir choper une bombe. Allez, essaye. Oh, putain. Ah, c'est pas possible. Putain, je vais crever à cause de ça, sérieux. Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Car j'utilise Chariot, je m'en fous. Putain, sérieux, pour ça, quoi. Tout ça pour Aquarius. C'était pas terrible. Et là, je risque vraiment de mourir. Je sais pas quoi faire. Allez, doucement. YOLO, voilà. Bon, on n'a plus qu'une vie, c'est vraiment très risqué, hein. C'est vraiment très risqué. Je pense qu'il faut pas hésiter à utiliser la chariot card. Hein, quoique, je sais pas si on peut tirer avec la chariot card, donc c'est... Ah. Bref. Ah oui, tiens, j'avais oublié ça. Est-ce que grâce à Master of Lockpicking, je peux ouvrir ça sans utiliser de clé? Non, toujours pas. Kurt Horn, c'est un bon damage up, mais bon, non, c'est pas ce que je veux. La Broken Watch pourrait nous sauver la vie, donc bon. Essayons. C'est vraiment chaud. Il y avait un mini boss ici? Bon. Je peux pas risquer, hein. Bon, c'est chaud. On a triple shot ici. Bah, allez, YOLO, hein. Gurdy, oh putain. J'ai paniqué. Bon, je vais me placer ici. Oh putain, c'est pas un bon endroit, c'est horrible. Ah. Je vais crever. Ah. Putain, j'ai triple shot en plus, ça réduit ma fire rate. Bon. Non, crève. Faut le tuer le premier, d'accord, j'en ai eu un. Attention, faut faire gaffe. Oh, la panique. Bon. En temps normal, j'aurais pris l'autre, mais Squeezie, j'ai absolument besoin de vie. Ah, c'est chaud, on arrive à survivre, mais c'est vraiment limite. Ouh. Bon, allez, passons au niveau suivant. C'était intense, hein. Bon, on arrive à nouveau à Death Swan. C'est le niveau où on est mort la dernière fois. C'est sympa la musique, j'espère que vous pouvez l'entendre. Alors si je peux augmenter un petit peu le niveau. Bon, c'est un peu fort pour moi du coup. Bon. Je verrai si c'est trop fort après. Ah, la Black Candle me refile une vie. Non, c'est risqué, mais au moins, ça m'évitera d'avoir des curses à la con, et ça peut me sauver la vie, hein. Ah, merde. Putain, ça me donne un seed. Et j'ai perdu ma... Non, ma chariot card, je l'avais déjà utilisée. Pardon, bref. Donc, tout va bien. Eh, cool, cette musique. Non. Je vais réduire un peu. Je verrai à la fin de l'épisode si la musique est bien réglée, sinon... Je verrai ça pour l'épisode précédent. J'ai pas envie que ça soit trop fort. Bon. Oh, ça c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Des cœurs d'argent. C'est parfait. Ouh, c'est génial. Oula, ils sont gros eux. Ils sont gros. Ok. Pouvoir récupérer des cœurs d'argent, c'est magnifique. Ok, on les a eus. Attends, il y a ces squelettes bizarres. Ah tiens, je me demandais pourquoi tout était aussi ralenti. Bon, c'est la Broken Watch. Ok, est-ce qu'il y a une clé là-dedans? Oui. Je me demande pourquoi Master of Lockpicking ne marche pas. Ah, ça ne marchait que avec les coffres. Parfait. Putain, cette musique est vraiment sympa. Ouais, bon, on a Spectral Tears, mais ouais, c'est le laser qui nous aide. Technologie.5, vraiment pratique. Ah, attention. Bon, on commence à y arriver là. On commence à faire quelque chose d'intéressant. Allez, voyons s'il n'y a pas un Black Heart ou une carte. Hangman, ça peut être vachement utile. Bon, ça, j'en veux pas. Ah, ça s'est ralenti, accéléré, c'est pas une bonne chose. Ok, bon, là, on les massacre. Ok, bon. On y arrive.
Nice. Mums contact. Bon, eux, ils devraient crever assez facilement. Bon. Toujours pas d'item room ni de shop pour l'instant. Tout devrait être de ce côté. La secret room aussi d'ailleurs. Maintenant on a enfin de quoi les ouvrir. Tiens les... C'est marrant la petite icône au-dessus. Ça montre sans doute que c'est une variante d'ennemi. C'est pas mal. Ils ont des homing tears ou... Ouais non ça doit être juste un effet. Ah ça va. Bon. Alors les grid heads. Ça va. N'oublions pas qu'on a les spectral tears. Toujours très utile. Il y a de grandes chances que la secret room soit au-dessus. Bon, voyons quand même ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais, je pense que la secret room sera là. Hein. Des troll bombes, on s'en fout. Alors, pentagramme, box of spiders. Et distinct admiration. Est-ce que je veux utiliser une bombe ou une clé? Non, sachant qu'on a Master of Lockpicking, bon, je vais garder le Book of Belial. Hein. Et évidemment, je vais prendre le pentagramme, sachant qu'on a Master of Lockpicking, je peux utiliser une clé. Nice, encore plus de damage, youhou. C'est vraiment cool. À voir. Pratique. Sachant qu'on a quelques bombes, pourquoi pas. Vous allez crever. Il y a quand même plusieurs options pour la secret room. Pendant une seconde, j'ai cru qu'on était dans un XL floor, mais non. Non, non, non. Alors, est-ce que c'est là? Non. Ah, bah, merde. Ça va, il devrait pas être trop compliqué, vu le damage qu'on a. Alors, j'ai plus qu'une seule bombe. Ouais, il y a quelques options quand même. Bon, je peux encore trouver le shop. Pas de tinted rock ici, non. Non, non, non. Et le boss devrait être dans le coin. Et on a le shop en dessous, bien sûr. Ok. Voyons ce qu'il y a dedans. Pas de grid. Oula, les... Comment ça s'appelle ces conneries? Les gravitations de tears, ça fait longtemps que je les ai pas eues. BFF, est-ce que je veux BFF? Bon, là ça m'est pas très utile. C'est pas Hive Mind. Hein. Oh, nice, Mons Contact. Plein de clés. Y'a vraiment rien qui m'intéresse là-dedans. Les bombes, je suppose. J'aimerais essayer de trouver la Secret Room. Non, il y a deux options par contre. Bon, ici peut-être. Nice. Un one-up, ça peut nous sauver la vie, hein. C'est un peu le but. Hein, est-ce qu'on veut un réceptacle? Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça nous permettrait de prendre n'importe quoi au niveau suivant. Bon, on pourrait en prendre qu'un seul. Bref. C'est parti pour le boss, voyons si on peut survivre jusqu'à Death 2. Et, oula, un ange encore, avec plein de squelettes. Ça va, vu notre damage, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait carrément le faire. C'est nickel. Et on a une tinted rock ici d'ailleurs. Wouhou, on l'a massacré. Non, on nous propose encore Cricket's Body. Et je vais carrément le prendre parce que c'est génial. Voilà, ça rajoute un bonus de DPS monstrueux et nice, on a la Small Rock. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans déjà? Le Halo. C'est aussi tentant, mais non, 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 je préfère conserver ma vie. Et maintenant, on va enfin avoir un réceptacle, ça faisait longtemps. Bon.
Et bien sûr, j'ai pas envie d'utiliser ça, vu que ça va bouffer mon réceptacle. Money equals power ou SMB superfan. Il me semblait que SMB superfan me donnait un autre réceptacle. Si mes souvenirs sont bons. Bon, ça n'arrive pas ici apparemment. Apparemment, ça ne le fait pas pour les Devil Deal. Money equals power peut être cool, mais... Bon. Notre damage est magnifique. Chop Dick Slice Smokes, ouais, comme d'hab. Nice. On est vraiment bien là. On est vraiment vraiment bien. On a de la vie. On est puissant. Extrêmement puissant même. Avec Cricket's Body, c'est génial. Ok, bon, je le sens bien là. Je sens bien cette partie. Bon, faut pas crier victoire tout de suite, mais bon. On est vraiment très bien. Waouh. C'est génial, hein. C'est clairement génial. Oula, attention, cette salle est accélérée. Ouais, c'est les inconvénients de la Broken Watch, hein. Parfois, elle peut nous foutre dans la merde. C'est magnifique, avec Rigas Body, c'est super. Je suis vraiment content qu'il nous l'ait proposé à nouveau. Magnifique, les Flaming Tears. Faudra qu'il change Death Touch aussi, un petit peu, si possible. Ok, on a des pièces, on a une Tinted Rock. Ah, le troll. Bon. Est-ce que j'arrive à... Ah, je m'en fous. J'ai tout eu. C'était le but. Alors. Oula, non, non. J'ai pas confiance dans les trucs accélérés. Allons-y doucement. Hop. Alors, IPCAC, caféine pile, me donne un... Non, ça ne donne pas une vie, c'est du speed-up. Range up, oh nice, j'avais pas trop... J'avais pas énormément de range, je ne veux pas IPCAC. Et je vais pas prendre le mushroom non plus. Vous savez quoi, si... J'ai déjà une très grande fire rate, mais... Et ouais, IPCAC, non, non, non. Je crois que ça réduit un peu mon damage, mais ma fire rate va être monstrueuse. Et non, IPCAC, surtout pas, ce n'est... Pas un bon item pour le nucléaire apocalypse, hein, j'ai l'impression. Bon. Oh putain. C'était hardcore. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Un coffre, bon. On pourrait aller. Oula. Ça fait beaucoup de boss, mais bon, ça va. On devrait y arriver. Sans se faire toucher. Hein. Ah non, on est vraiment, vraiment bien là. Plus on a récupéré du range up. Encore des chads. Bon, ok. Décidément, c'est le seul boss qu'il y a ici. C'est leur boss room purement chad. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça se trouve, il y en a une troisième. Attends, faire gaffe. Non, ça va. Ça va, ça va. Bon, une autre possibilité pour la secret room, mais c'est pas grave. On massacre tout, c'est génial. Ok, ouais, ouais, je la sens vraiment bien cette partie. Ça a été vraiment limite à plusieurs moments, mais là, je pense qu'on est super bien. Les masques... Ah, sérieux. C'est un peu con. Essayons de pas trop nous faire toucher. N'oublions pas... Ah non, on va peut-être pas choper Money Equals Power. À moins d'arriver à avoir un réceptacle. C'est magnifique. Alors, ces effets sont vraiment cool. Des cœurs d'argent. Oui, 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 oui. Carrément. Aucun de ces deux trucs ne m'intéresse. Ok. Bon, je pourrais utiliser mes 15 cents, mais on sait jamais. Il y a peut-être des shops plus loin. J'ai pas encore dépassé Deaths dans le Nuclear Apocalypse Mode. Donc bon, speed down. Bon, on avait peut-être un peu trop de speed, donc c'est pas vraiment un souci. Voyons si on peut trouver la secret room. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là non plus. Ah, y a de grandes chances qu'elle soit de l'autre côté. Ah bah non, non plus. Bah elle est où du coup?
Ah, elle peut être ici. Ouais, elle est sans doute là. Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Revengefly, nice. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a souvent des items dans les secret rooms dans Nuclear Apocalypse, ce qui est vraiment sympa. Profitons-en du coup. Bon bah continuons. Ah tiens, et on est Lord of the Flies en plus. Donc on vole. Ouh, ça c'est génial. Ça c'est magnifique. Comment ça se fait? Je sais que j'ai eu une attaque fly. La revenge fly, mais qu'est-ce que j'ai. Ah oui oui oui, le. J'avais complètement oublié que j'avais chopé Scatol, qui est aussi considéré comme un objet. Un objet de Lord of the Flies, hein, donc. Donc c'est trop bien. Maintenant je vole, ma Hangman ne sert plus à rien, mais bon. Bref, c'est super, on est vraiment, vraiment bien. Bon, voyons comment est le combat contre Mom maintenant. Elle a énormément de vie, apparemment. En plus, on a Death Touch pour cette salle, c'est assez épique. Et même comme ça, on met pas mal de temps à la tuer, donc bon, ça montre que le combat est vraiment, vraiment chaud. Hein. C'est assez ouf hein, qu'on mette autant de temps à la tuer. Mais c'est génial. C'est génial, on est super puissant. On y est presque. On y est presque, on y est presque. Nice. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans... Bah non, c'est toujours Monique Wallspower, on ne peut pas le prendre. Bon, où est-ce qu'on veut aller? Isaac ou Darkroom? Vu notre puissance, j'aurais bien dit Darkroom, mais... Bon, vu que c'est notre première run d'Apocalypse où on arrive aussi loin... On va y aller doucement, hein. On sait jamais, on sait pas ce que le futur nous réserve. Merlin. Bref. Bon. Encore un petit health up. Normalement, on a suffisamment de cœur pour pouvoir faire un... Deal. Mums contact permanent. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mums contact est génial. Et sachant qu'on a une fire rate de malade, bon, le coat hanger est limite inutile, je pense. Mais ouais, on devrait pouvoir freeze masse de trucs. Et ça, c'est génial. Toujours pas eu. On a toujours pas eu d'objet guppy, j'ai l'impression. C'est assez ouf. Bon. Parce qu'ils ont diminué la. Fréquence des objets Guppy, ce qui aurait carrément dû être le cas dans God Mode aussi. Hein. Là, tiens, je me suis fait toucher. C'est vrai que vu qu'on a que des cœurs d'argent, le Polaroid marche à chaque fois, c'est aussi un des avantages. Ouais, non, on est quand même extrêmement puissant. Oh, tiens, ce boss! Espèce de variante de Dingle, j'ai l'impression, mais non, c'est pas Dingle. Je sais pas ce que c'est, mais c'est génial. Attends, ça a les sons de... Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à voir ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme variante, je vais le retrouver, mais... Bon, y a-t-il une tinted rock dans cette salle? Apparemment non. The Husk? Non, non, c'est pas The Husk. Non, je vois pas ce que ça peut être. Bon, bref. Ah, tiens, et on a trouvé le boss. Est-ce qu'on a envie d'explorer le reste? Oh, pourquoi pas, on est bien puissant. Hein. Profitons-en. Ça arrivera pas tous les jours, des runs comme ça. Bon, on a quand même eu de la chance. Alors, on a aussi bien joué, hein, parce qu'au départ, c'était pas gagné. Hein. Bon. En fait, j'ai surtout envie de voir s'il y a des shops dans... Dans The Womb, dans Nuclear Apocalypse. Bon, sachant qu'on massacre tout, ça fait aussi plaisir. Ouais, j'aurais dû aller dans Dark Room, mais bon. J'ai envie de voir ce que ça donne déjà. Avant de m'aventurer dans des trucs de malade. Même ce contact, très utile. J'attends encore une meilleure carte que Hangman, sachant que maintenant qu'on vole, c'est légèrement inutile. Un speed up, bon, si tu veux.
Ouais, non, cette partie est monstrueuse. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de... Chop. J'en ai pas l'impression... Bon, on n'a pas encore tout exploré. On va le faire pour The Womb... Enfin, pour Utero 1. Et si on n'a pas, bon, on ira plus vite dans Utero 2 ou dans The Womb 2. Bref, on verra. Et j'ai l'impression que ces salles ne sont pas si différentes que ça, à ce niveau-là. C'est juste les ennemis qui ont beaucoup de vie. Ah bon, on est quand même extrêmement cheaté hein, avec notre Cricket's Body. Double shot. Damage de malade et Mums Contact maintenant, c'est assez ouf. Et notre Firehide de malade surtout. Bon. Allez, il reste plus que quelques salles. Vous allez tous mûrir. Bon. Alors. Ouais non, on massacre tout. Hein. Bon, massacre tout. Bon. Il me semble qu'on est déjà allé là-dedans. Essayons quand même de trouver notre secret room, hein, vu qu'elles sont très... Non, ça peut pas être là. Ah ! Micro-démangeaison. Vu qu'elles sont très puissantes, hein. Enfin, disons qu'il y a des... Presque toujours des objets dedans, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Bah oui. Dry Baby, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est cool. Et... bon, bref. Alors, Guiche. Guiche plus Monstre 2, plus 2 Gordy, plus Mama Gordy. Ok, c'est... Ça aurait été marrant qu'il y ait Mama Gordy, plus les Gurglings. Bon, bref. Ouais. C'est bordélique du coup. Heureusement, on vole donc Mama Gordy ne nous fait rien. Ouais, ces boss par contre. Ils arrêtent de nous toucher. Mort. On a eu Monstre 2. Alors, Mama Gordy, tu vas crever. Bah, bah tiens, on nous offre à nouveau Money Equals Power. Pourquoi pas, hein. Et ouais, le Codefinger, non merci, on a perdu pas mal de vie quand même, hein. Donc, faire attention. Il faut vraiment faire gaffe. Bon. Ça, ça nous fait une vie de plus. Joker, hein. Est-ce que j'ai envie de douiller? Pourquoi pas, je vais ouvrir tout ça. Bon, c'était pas nécessaire. Ludovico. Ça peut être intéressant, mais bon, vu ce qu'on a, ce serait une grosse connerie. Et... En tout cas, on a pu choper deux cœurs d'argent, enfin, un Black Heart et un cœur d'argent. Ce qui est super cool. Luck Up, nice. Ça augmentera nos... Special Effect, deux clés pour une pièce, waouh. Non, il y avait deux clés aussi, donc bref. Bon, Hangman toujours inutile, mais bon, on le prend quand même. Hein. Ah non, cette partie est super. Bon, toi ramène ton cul, Tinted Rock. Bon, clé et bombe, c'est pas vraiment ce que je cherchais, mais c'est pas grave. Allez, bouge ton cul, toi. Polycéphalus, ramène ton cul. Amène ton phallus. Bref. Non. Allez. Non, c'est chiant quand ça arrive ça. Et après il te spawn sur la gueule en mode YOLO. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu vas venir, oui? Oh putain. Je sais pas si ça s'est vu. J'ai mis le jeu en full screen sans faire exprès. Gros flip. Il m'a fait peur ce con. Bon. Bon. Ah si, il y a une cité de rock. Bah! Pourquoi j'ai fait ça? C'était con. Allez, cœur d'argent, toujours pas. Bon. On a Money Equals Power, hein, donc ouais, maintenant... On va prendre le tus de thunes possible, ouais, le plus de thunes possible. C'est assez marrant qu'on nous ait proposé certains items plusieurs fois. C'est pas courant, hein. Non, voyons si la secret room est ici... Non. Ok, continuons. Continuons, continuons. Eux, on les massacre. À mon avis, c'est par là. Est-ce que j'ai essayé de ce côté? Ouais, ça peut pas être là. Bon, ouh. Elsa peut-être. Ouais, je sais pas si j'en ai besoin du Elsa. Enfin,
sais pas si j'en ai envie surtout. Oh, des cœurs d'argent, ça c'est génial. Une autre tinted drug peut-être? Non, 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 non. Flame tears. Toujours faire gaffe aux explosions, bien sûr. Non, on est qui a récupéré plein de vie, là, c'est génial. Bon, je dis ça, je me fais toucher, hein. Merci, mes explosions. Faut faire attention à ça, hein. Bon, allez. Bon, freeze tout, c'est super. Ah. Alors, bon, ça va. La secret room, je la verrai bien ici. Nice. Bon, c'est quoi? Sack of pennies, ouais, pourquoi pas. Hein. Sachant qu'on a money equals power, why not? Ok, on a trouvé le boss. Tiens, voyons s'il a super secret room est ici. Non, bon, c'est pas grave, allez. C'est parti pour It Lives, voyons ce qui change. Bon, apparemment rien, donc il est pété de vie. Bon, peut-être que ses attaques sont différentes, hein. Oula, j'ai... le Mirror Tears, là. Putain, je vois rien, du coup, c'est pas... ça aide pas. Je vois vraiment que dalle. Bon, il est ralenti, par contre. Sans doute à cause de la broken... Watch. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, pratique. Effectivement, il a énormément de vie, c'est ouf. Bon, toi, tu vas mourir, oui. Bon, grâce à la Broken Watch, il ne peut pas nous toucher si on reste à distance. Ça, c'est cool. Enfin, c'est ouf. Hein. Tout ce que je lui balance dans la gueule, il galère à crever, quoi. C'est... bon. Respect. Oula, attention. Eh non, il est résistant, hein. Il est résistant. J'ai pas l'impression qu'on ait eu un Devil Deal ici. Ah si, c'était Ludovico, autant pour moi. Bon, on a le Polaroid. Passons au niveau suivant dans la cathédrale. Bon. Alors, on en est à combien de minutes de jeu? 45, ouais, ça va. Toujours un Devil Deal. C'est quel spider ça? C'est Spider Baby. C'est celui qui me permet de générer des araignées quand je touche les ennemis. Quand je tue les ennemis. Ouais, c'est Infestation 2. Ok, ça c'est génial. Les araignées, c'est un peu ce qui nous manquait. Enfin, être Guppy, ce serait encore mieux, mais... bon, j'ai encore sacrifié des vies du coup, mais bon. Ça peut faire la différence, hein. Ça peut carrément faire la différence. Ouais, sympa cette petite musique. Toi, bon, voyons ce qu'il peut me donner. Je sais pas s'il y a encore des health subs dans ce jeu. Bon, si, sans doute. Non, de toute façon, s'il me donne un red heart, j'en ai pas besoin, hein. Bon, des bombes, c'est cool. Un red heart. Container plutôt. Oh, une rune. Une perso rune, nice. Je peux utiliser ça pour un Devil Deal. Le coat hanger, bon bah tu me le... je sais pas si ça va changer grand chose en fait. Bon écoute, voyons. Est-ce que j'ai encore plus de fire rate? Possible, hein. J'ai pas l'impression que ça change grand chose. Mais bref, ouais, on va garder perso bien sûr. Ça peut être génial. On peut soit l'utiliser dans le chest, soit dans le Devil Deal du chest, on verra. Bon, ça faudrait qu'on arrive dans le chest. Pourquoi j'utilise Book of Belial, je sais pas, je le sentais. C'est moi ou War m'a balancé des projectiles. Je crois que j'ai pas fait gaffe. Oula, ils sont accélérés, attention. C'est pas bon ça. C'est pas bon le risque de la Broken Watch, hein. Tant que ça tombe pas sur un boss important, ça va. C'est un peu une catastrophe. Ah, maximum contact. Je génère toujours pas mal d'araignées. Ouh, nice. Bon, c'était inutile, mais... Tears down, bon, vu ce qu'on a... range up est pas mal. Prenons les thunes, bien sûr. Ah, eux, ils devraient me filer des cœurs.
Je vais rester à distance, hein, sachant que je les explose de toute façon. Nice, un cœur d'argent. Curse Room. Je vais y aller. J'ai l'impression qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des items à chaque fois aussi, comme la Secret Room. Lank, bon, c'est pas... Attends, arrêtons de tirer. Hop. Un cœur d'argent. Dans le pire des cas, on réussira en tant que Blue Baby. Bon, j'ai pas vraiment envie de mourir, mais bon. Alors. Toi, tu devrais me filer un cœur d'argent également. Nice. J'ai pas encore trouvé la Secret Room. Il y a de grandes chances qu'elle soit là. Ouh là, je vois que dalle. Bon, lui, il sert à rien. C'est pas ici. Voyons si elle est là. J'arrive jamais à les trouver de ce côté-là, donc... Non. Plus haut, peut-être. J'ai pas regardé. On a assez de bombes pour check tout ça. Attends, je vais vérifier quand même si elle peut être là, ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de... de trous dans la cathédrale. Enfin, des trucs qui nous empêchent d'aller dans certaines salles. Le Dead Bird, c'est à chier, mais bon, bref, on s'en fout. C'est vrai qu'en plus, si on se fait toucher, on gagne du damage. J'avais oublié ce détail. Très important. Bon. Bon, bon, bon. C'est génial tout ça. Daddy Longlegs, tu vas mourir. What? Non. Je pensais l'avoir tué. Non mais, what? Non. What the f... Ok, il est... Ok, what? C'était très bizarre. Bon, ça va, on y arrive. Ah, je sens bien le boss de ce côté. Ah, il est résistant, lui. Hein. Il est résistant. On va voir à quel point Isaac l'est aussi. Et c'était pas là. Bon. Voyons s'il y a une super secret room peut-être, hein, tant qu'on y est. Ah bah il y a une tinted rock, je l'avais même pas vu. Super, deux cœurs d'argent de plus, c'est génial. C'est pas là. C'est pas là, je sais pas trop pourquoi j'ai envie de chercher autant la super secret room, mais bon, pourquoi pas. Why not, why not? Bon, bah du coup, allons de ce côté, hein. Je crois qu'on va faire un full clear du chest, c'était pas le but, mais bon. On a pu gagner pas mal de vie. Une autre Joker card. Il y avait quoi déjà? 12 pics, ouais, on s'en fout. Non. Sachant qu'on aura une Joker card dans le niveau suivant, sans doute. Ah, peut-être pas. Enfin bref. De toute façon, on garde Pierre trop. C'est beaucoup plus utile. Dans le chest de toute façon. Peut-être. Non, non. Non. Le Birdfoot. Tiens, j'ai lâché l'autre truc sans faire exprès. Oula, non. J'ai pas envie d'accélérer le temps. J'ai lâché le lockpick. Bon, il sera pas très utile, sachant que j'ai 22 bombes. Ah, nice. Forever Alone. Tiens, un autre objet. Un autre objet fly. Tiens, est-ce qu'il peut me filer un... Bon, je vais pas trop utiliser mes pièces, sachant que j'ai money equals power. Bon, bref. Allez, c'est parti pour Isaac. Voyons à quel point il est puissant. Oh non. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, pour l'instant, il est identique. Est-ce que cette attaque est normale? Je sais pas. Attends, on a pas l'air de le freeze. Étrange. Bon. Je sais pas trop, faut dire que je vois pas grand chose vu tout ce qu'il y a comme tir sur l'écran. Tiens, il m'a touché. Il m'a touché, faut faire gaffe hein, vu que je vois rien. Ok, bon, cette attaque semble pareille. Enfin, semble identique surtout. C'est la même chose, mais bref. Oula, attention. On a une bonne speed, donc on peut se barrer.
Ah nice, on a enfin prise. Ouais non, l'Isaac Fight a l'air assez... a l'air d'être modifié, hein, tant mieux. Il a juste masse de vie. Et on ne va pas tarder à l'avoir. Youhou ! C'est parti pour The Chest. Ah. Voyons ce que ça donne. Ah, ok. Waouh, on a encore plus d'items, c'est ouf. Putain, c'est marrant ça, on est obligé de voler pour pouvoir aller à Méga Satan. Et d'ailleurs, j'avais complètement oublié l'existence de Méga Satan, mais bref. bon, speed up, on s'en fout. Mini Mush, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et Or of Babylon, ouais. La relique, je prends. Ça, je prends. Et le reste, on reroll. Mulligan, ouh, ça c'est bon ça. Bon, il me refile ça. Lui, j'ai pas confiance. Il pourrait me donner une vie sans que je le veuille. Non, non, non. Ok, bon, ça c'est génial. C'est génial, on est vraiment bien. On devrait pouvoir tuer Méga Satan. Je l'avais complètement zappé celui-là. Les pièces, c'est cool. Ça augmente encore plus notre damage. Hein. 54 minutes, bon. Oula, il faut vraiment faire gaffe avec les Flaming Tears par contre. Hein. Oh putain, ouais non c'est vraiment une connerie. Oula, les Flaming Tears, ils me foutent dans la merde. Hein. Les Flaming Tears me foutent dans la merde. Bon, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça explose un peu trop. Aïe aïe aïe, c'est pas cool ça. C'est vraiment pas cool. Eh, le Strider Rabbit, hein, c'est pas toujours... Oh putain. C'est quoi ces grids squelettes? Bon, y a le vrai grid en dessous. Il m'a rien filé, sérieux? Bon. Ok, allez, continuons. Essayons de rester en vie. Ouh là là, c'est quoi cette salle? Un peu trop d'ennemis là. Ouh putain. Non. Comment j'ai fait pour perdre autant de vie? Je sais pas, mais on est un peu dans la merde là. Bon, ça compte pas comme un cœur entier, il me semble. Bon, Death Touch, l'avoir tout le temps serait génial. Putain, le nombre d'araignées qu'on vient de générer, ça c'est super. Un petit dime, nice. Par contre, j'ai vraiment besoin de vie. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement. Bon. Les araignées nous aident et on devrait pouvoir en générer quelques-unes. Ok. Où est-ce qu'il reste des ennemis là? Là. Non. Tout ça pour des bombes. Ouh putain, c'est quoi cette salle? Elle est horrible. Ça va, on a un très bon damage. Attention à The Hunt, mais ça va, tant qu'on n'a pas les Flaming Tears. Mais tu vas crever, oui. Bon. Oh nice, merci la relique. Elle pourrait nous sauver. Oh putain, les Flaming Tears, fuck. Oh, quelle connerie. Ah, les Flaming Tears, c'est vraiment... c'est vraiment dangereux. Ouh. Eh, c'est... pas évident, ça. Oh, putain, attention. Double adversaire plus l'autre. Ça va, on les a eus. Je pense que la Broken Stopwatch nous a bien aidé d'ailleurs. En les ralentissant. Bon, on freeze tout ici donc y'a pas de soucis. Ouais, le boss devrait être de ce côté. N'oublions pas qu'on vole. Alors, des items. Du range up. Triple shot. Ça va réduire notre fair rate. Je sais pas. Bon allez, YOLO. Ça créera peut-être plus de trucs, bon, espérons que ce soit le cas. Ben. Oula, cette salle. J'avais complètement oublié que j'avais le laser aussi. Je sais pas si c'était une bonne idée de prendre triple shot, mais... bref.
Ça nous permettra peut-être de faire plus de dommages sur le long terme. Tears down, non, non, ça ira. J'ai eu suffisamment de tears down. Mais tu vas casser, tu vas te casser toi. Merci. Alors, je vois bien le boss de ce côté. Oula, qu'est-ce que c'est que cette ombre? Ça fait peur. C'était un bug ou... je sais pas. Non. Ah, j'ai perdu trop de vie. Ok, le boss est bien là. Bon, je pense qu'on devrait arriver à tuer Blue Baby, mais pour Méga Satan, ça va être un peu chaud. Bon, on a généré pas mal d'araignées. Allez, YOLO. C'est parti. Bon, j'aurais pu essayer de trouver la Super Secret Room. Mais allons-y. Ok, on a ces machins là. Au moins ça nous permettra de voir quelque chose. Et il y a encore l'effet, il me semble. Oula. Il y a encore le sewing effect, il me semble, à moins que ce soit nos tirs qui fassent ça. C'est possible. Oula, attention. Ah, da fuck. C'est con ça. Attention. What? Qu'est-ce qui m'a touché là? Qu'est-ce que what? Bullshit. Ah putain, risque de crever. Putain, je vois rien, c'est ça le problème en fait. Faut qu'il atteigne la deuxième phase, et là ça sera bien. Même sachant qu'on voit rien, ça aide pas. What the f... Ok, faisons vraiment gaffe là. Ok, bon, c'est vrai que ça fasse téléporte, c'est peut-être pas la... Fuck. Fuck, bon... What? Ok, ça nous fait réciter avec un demi-cœur. Bon. Putain, c'est con, je pensais vraiment qu'on y arriverait. Allez, allez, hey, sauve-moi. Mom's knife. Je sais pas. Je sais pas. Vous savez quoi? YOLO, soyons fous. Triple mom's knife. Pas commencé à marcher, mais essayons d'avoir le plus de cœur d'argent possible grâce à ça. Fish head, why not? Bon. Pourquoi j'ai encore une vie? J'en ai aucune idée. Ah oui, non, c'était pas Lang, c'était le one-up qui m'a récité, d'accord, c'était pour ça. Ok, donc je suis toujours Dark Judas. Ce qui est pas mal, parce que j'ai toujours mon gros boost de damage. Hein. Ok. Ok, ok. Bon, j'utilise quelques tudes, mais bon. Si c'est pour avoir des cœurs d'argent, ça vaut le coup. Oula, qu'est-ce que... Voilà. Ouh, et Hive Mind, nice. J'aurais beaucoup plus de puissance au niveau de mes araignées et de mes mouches. Ok. Bon. Allez, c'est reparti. Essayons d'y arriver mieux. Est-ce qu'on est mieux? Bah, au moins, il n'y a plus des tirs partout. Donc, je vais pouvoir éviter ces projectiles. Ça, je m'en prends plein la gueule. Faisons gaffe. Ah, pour Méga Satan, ça va vraiment être dur si on arrive à tuer Blue Baby. Mais bon, on a bien plus de dommages que tout à l'heure grâce à Mom's Knife, j'ai l'impression. Et on peut voir ce qui se passe, ce qui est extrêmement important aussi. C'est vrai qu'on prend, on a tendance à pas prendre ça en compte dans les combats, mais bon, si on voit rien, ça aide pas. Hein. Nice! Ouh, bon, on a eu Blue Baby, on nous file carrément un cœur d'argent. Est-ce que j'ai envie d'explorer un petit peu plus? Pour essayer d'avoir d'autres cœurs d'argent. Ce serait faisable. Bon, je ferai ça si je meurs et si je reviens en tant que Blue Baby. Mais sinon, allons-y, c'est parti pour Méga Satan. Allez, on va se concentrer. Ah, petite musique. Oula, j'ai du homing, c'est quoi ce bordel? Ah oui, effectivement. J'ai du homing sur les bras, c'est pas vraiment ce que je veux. Oula. Oh, fuck, fuck, fuck. C'est pas censé être comme ça, ça, si? Bon, je sais pas, bref. Massacrons sa main. Ok. Attention. Ça va, on a plus Freeze Death. Toi, tu vas crever.
Nice. Super envy. N'oublions pas qu'on génère plein d'araignées. Lust, tu t'en vas. Attention. Oh, saloperie. Oh merde, on a plus de vie. On a plus de vie. Faut vraiment faire gaffe là. C'est. Les anges, bon. Devrait aller. Il n'y a plus qu'une seule vie. C'est horrible. Allez, allez. Allez. Attention, attention, attention. Faut faire gaffe. Non, 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 non. Ah l'enfoiré, bon, allez, essayons d'explorer un peu alors. Oh putain, c'est quoi ce homing bizarre qu'on a chopé là? Bon. Ouh, pas évident. Oula, risqué. J'ai pas envie de jouer avec ça. Ah, cette salle, gros troll. Non, je vais faire ça comme ça, ouais. Nice. Non, essayons d'avoir un petit peu plus de cœur d'argent, hein. Mom's Knife, ça devrait pouvoir le faire. Putain, j'ai même pas utilisé mon Book of Belial, j'ai l'impression, tout à l'heure, donc bon. Allez, allez, allez. Faisons gaffe dans ces salles. Et la relique devrait nous donner plus de cœur d'argent. Ouh, c'est intense, hein. Ah bah tiens, un dime, nice. Choup d'awop, non merci. C'est chaud, c'est chaud. Ok, bon, vous, attention à eux, ne nous faisons pas toucher. Ah, il est où, il est où, il est où, il est là. Attention. Allez, un petit cœur d'argent, nice, super. Bon, du coup, on a limite tout exploré. Bon, il reste cette salle, je la sens pas, mais je vais la faire quand même, hein, pour le YOLO. Ça va, des gurglings. Ça devrait aller. Et tout ça, oh, un autre cœur d'argent, nice! Super, 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 génial. Bon, du coup, on a tout, on a le plus de vie possible, et on a la charge de Book of Belial. On a nos chances, là. On a nos chances. Ouh, allez, c'est parti, à nouveau pour Méga Satan. Et cette fois, on va l'avoir. Ouh, plein de pièces, nice. J'ai mon max de pièces, maintenant. Utilisons le Book of Belial et c'est parti. Attention. Attention à cette attaque qui a un peu changé, j'ai l'impression. Elle est plus dangereuse ou alors on n'a pas eu de chance, mais. Ok, on a eu un de ses bras. Massacrons ses bras, c'est l'essentiel et sa gueule maintenant. Ok. Ok, ouais, ça devrait le faire. Bon, restons vigilants quand même. Restons vigilants. On dex en premier. Attention à voir. Ouh. Allez, allez, allez. Attention. Oh putain, c'est quoi cette attaque? Ça va, on l'a évité. Super envy. Nos araignées s'en chargent. Attention à Lust. Attention aux autres qui vont apparaître là. Dernière fois, c'est Grid qui nous a. Ah, connerie. Non, c'est lui qui nous a touché. Non. Allez. Allez, allez, on peut le faire. On peut le faire. Massacrons au moins un de ses bras, comme ça. Il peut pas nous faire l'attaque à la con. Nice. Bon, il spawn. Des petits sins. Attention. Nice. Allez, les anges. Cette fois, on est bien. Ouh, putain, attention. On est bien, on est bien. Allez. Ouh, c'était chaud. Allez, massacrons son bras tout de suite. Ah merde, il y a le deuxième qui arrive. Allez, allez, massacrons ça, massacrons ça. Ah, fuck. Ça va, ils sont pas synchro au moins. Nice. Ouh, c'est chaud. Mais on y arrive. Je sais pas s'il est plus dur ou pas, c'est possible. Bon, eux, ils
sont là pour nous déconcentrer. Nous restons vigilants. Ah, connerie, cette attaque est pas facile à éviter. Ah, si on reste là, ça va. Attention. Ouais, son laser. Bon, allez, deuxième phase. Putain, j'ai perdu des thunes. What? C'est notre grid. Allez. Ça devrait être la phase la plus simple. Mais bon. Attention quand même. Ah, connerie, ces trucs qui se plient, c'est vrai. Pas toujours évident. Si je reste prêt, peut-être. Oh, fuck, fuck, fuck. Attention, attention. Attention. Pas facile. Concentrons-nous. Faut qu'on y arrive. Putain, non, 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 pas cette attaque. Ah, yes. Allez, 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 allez. Crève. Allez, allez, on la freeze. Attention à ça, attention à ça. Allez, yes, yes, wouhou. Wouh. Oh putain, c'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. Non, je laisse la cinématique juste pour le. Eh ben, quelle partie! Oh mon dieu, bon. Bon. Décidément, on a bien fait de choisir The Chest, hein, parce que c'était vraiment limite. On a galéré à tuer Blue Baby et même à tuer Mega Satan. Ouh, c'était bien hardcore, mais c'était une partie géniale, géniale, géniale. Le Nuclear Apocalypse mode est vraiment cool. Je trouve qu'il est très bien adapté, la difficulté est bien dosée. Donc c'est vraiment génial, enfin avec la... Tout le damage qu'on avait, on a galéré, donc bon, quand même. Ouh, partie magnifique. Oh. En tout cas, c'était Merlin Boss pour le 150e épisode de Rebirth, et donc le deuxième épisode de Nuclear Apocalypse. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine tout le monde. Mouah.